Salut, c'est Pierre pour Mon Coach de Sax. Aujourd'hui, on va voir comment nettoyer son saxophone. C'est parti. Alors moi, pour nettoyer mon saxophone, c'est très simple. Je le démonte étape par étape. Donc une fois que j'ai fini de jouer, hop, hop, j'enlève le bec. L'anche, en général, moi, je laisse toujours sur le bec. Et ce que je fais, c'est quand j'estime qu'elle est rangée, je la mets un peu plus bas sur le bec, comme ça elle ne s'abîme pas, hop, et après je remets le bec. Et ça, c'est une fois que j'ai nettoyé le bec, bien sûr. Donc c'est le petit chiffon dont je te parlais tout à l'heure, hop, celui-ci. Et donc ça, je laisse glisser là-dedans dans le bec, hop. Et ça va permettre de nettoyer assez rapidement le bec, hein. Hop. En général, je le passe au moins deux fois. Après, on peut passer aussi ce petit chiffon. Hop, voilà. Comme ça, le bec, il est nettoyé. L'anche, on peut aussi la sécher avec ses doigts. Hop. Donc, franchement, ça ne prend pas non plus énormément de temps. Donc voilà, là, le bec, il est propre, il est nickel. Donc un peu plus décalé sur le bec, comme ça j'abîme pas l'anche. Hop, ça c'est fait. Ensuite le bocal, pareil. Si je retrouve le petit chiffon, voilà. Un peu. Voilà. Et pareil, voilà. Pareil, je passe deux fois. Voilà. Donc ce petit truc là, c'est vraiment pratique, ce petit chiffon avec une cordelette. Il faut qu'il soit assez petit, sinon il va se bloquer à l'intérieur. Parce que je sais qu'avant, je m'embêtais à carrément essayer de faire rentrer le chiffon là et le faire sortir par là. Ça me promet pas mal de temps. Là, du coup, je peux nettoyer le bec et le bocal assez rapidement avec ça. Hop. Et pour finir, du coup, on a le chiffon avec la grosse cordelette pour le saxophone. Donc on va le faire passer là dans le corps du saxophone. Hop là. Et on va récupérer les cordes de l'autre côté. Voilà. Et voilà. Et pareil, je fais une deuxième fois. En fait, c'est pas une vidéo test, je suis vraiment en train de nettoyer mon saxophone, c'est pour ça que je me permets de le refaire deux fois à chaque fois. Mais en même temps, on voit que ça prend pas non plus énormément de temps. Hop. Voilà, là du coup, j'ai mon saxophone qui est nickel. Ça, si vraiment on veut être plus précis, bon là, j'ai pas forcément le temps, mais si on voit qu'il y a quelque chose qui est un peu crade ou quelque chose, on peut les gratter, mais après ça, je m'en sers pas non plus chaque jour pour nettoyer. Voilà. Dernière chose qui est importante, c'est parfois on adore dans le saxophone des espèces d'étuis, il faudrait que je trouve une photo que je mettrai là, des espèces d'étuis qu'on va laisser dans le saxophone pour nettoyer avec une espèce de brosse. Qu'après, ce genre de brosse c'est pas mal, mais ce qui est bien c'est de jamais les laisser dans le saxophone, parce qu'après ça crée de la poussière qui reste dans le saxophone, c'est pas vraiment top. Donc le mieux avec ces engins, c'est pas mal de mettre 2-3 coups pour nettoyer le saxophone, mais après il faut bien l'enlever et laisser dans le saxophone. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux laisser un petit like, t'abonner, et sinon on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.